sur le marché, c'est le nouvel album de Ivan, ou Ivan, si vous préférez, ça s'appelle The Spell, et le voici live en personne. Ça va bien, Ivan? Très bien, toi? Oui, très très bien. Ça faisait un petit bout de temps que t'avais rien. Là, c'est fini, Manu Dantas? Non, c'est pas fini, mais c'est un album solo que je voulais faire. Oui, puis... OK. Et c'est maintenant sur le marché, puis il n'y a rien de prévu comme spectacle encore pour le Québec, mais ça s'en vient. C'est en train de se préparer en ce moment. Et ça joue beaucoup à Toronto, ils ont craqué complètement. Oui, radios, Open Your Eyes, le premier single joue assez, ça. Oui. Bonne rotation, ça va. Alors, quand on m'a offert de te recevoir, j'ai bien sûr pas hésité deux secondes, parce que tu es un peu un genre de légende de la musique, de la scène alternative montréalaise quand même. Si vous ne savez pas encore, Manu Dantas avait eu un numéro 3, un Safe Dance, quand même aux États-Unis. Il n'y en a pas beaucoup des groupes de Montréal qui sont rendus aussi loin. On a Céline maintenant, mais il y a eu quand même Ivan avec Manu Dantas à l'époque. Et qu'est-ce que Ivan pouvait bien écouter comme musique quand il était... T'es né à Montréal, là? Je suis né à Chicago. À Chicago, OK. Mais j'ai grandi ici. Oui? Tu es arrivé à quel âge? 3 ans. À 3 ans, OK. Donc, tu es vraiment un Montréalais. Hein? Oui. Est-ce que tu écoutes de la musique québécoise, française aussi? Oui. De tous les genres. De tous les genres. Mais comme bon Québécois, tu aimes le progressif. Le progressif. Hein? Le progressif. Non, mais je sais pas pourquoi on aime ça plus qu'ailleurs ici. C'est du grand classique, King Crimson. Alors, raconte-nous sur King Crimson. C'est un des groupes qui m'a... Robert Fripp, une des grosses influences. Et aussi, ça va revenir, il y a Voivode. Oui, c'est quoi, un nouvel album? Ils font Voivode. Le nouveau cover qu'il va avoir sur le nouveau Voivode. Oui. Ça tourne qu'on est en train d'écouter en ce moment. Ah, ils vont faire sûrement plus réussi que le massacre des Pearl Wine. Ça, je le connais même pas. Ah non, moi j'étais assis avec Robert Fripp au Café Campus à Québec. Ça jouait à la radio, tu sais, je sentais la steam qui sortait là, à peu près de Robert Fripp, tu sais, quand tu faisais The League of Gentlemen. Une pochette aussi. Oui, la pochette. Mon père l'avait lancée en dehors de la fenêtre chez nous parce qu'il pouvait pas voir ça chez nous. Il avait vraiment... J'étais graffiné par mon chat d'ailleurs, je pense. Et est-ce que tu conseillerais tous les King Crimson ou ça c'est le classique absolu? Moi j'aime le vieux King Crimson. OK. Le nouveau, je le trouve un peu trop jazz oriented. Okay. J'aime beaucoup la période Giles. Et cet album-là, oui, c'est ça. Et ça, c'est l'album sur lequel il y a Greg Lake de Emerson, Lake and Palmer qui chante. Ensuite, qu'est-ce que tu nous as choisi? Ah, Kraftwerk. Oui. Oui, c'est correct. Tu peux parler, tu sais, hein? Je ne dois pas. Kraftwerk aussi, pour moi, les inventeurs du techno. Bien d'accord avec toi. Et. C'est un classique, je pense, leur premier hit, Autobahn. Mm-hmm. Autobahn, moi, je me souviens encore de la première fois que je l'ai entendu. J'étais dans une auto. Je pense que je consommais des trucs à cette époque-là. Je me souviens plus trop de quoi exactement, mais ça m'avait un peu marqué. Et ça, c'est, faut bien préciser, c'est un album. Pourquoi tu as choisi celui-là plutôt que l'original? Parce que ça, c'est un remake. Un remake. Ben, ouais. Je trouve qu'il a été tellement bien réussi que c'est incroyable. C'est, ouais. C'est rare. Est-ce que tu les as déjà vus en concert? Hein? Non. Un des meilleurs shows que j'ai vu de ma vie. J'avais l'impression d'être à la NASA. C'était à l'époque de Computer World. Il y avait un petit clavier grand même qui faisait jouer le monde. Non, c'était vraiment quelque chose. Ensuite, ici, nous avons le duo Roxy Music. Ici, en fait, c'est... voilà. C'est une pochette qui a été bannie, mais au Canada, on n'a pas de problème. C'est pas vraiment... On va voir le disque que tu as choisi. La pochette, c'est leur tout premier album qui est assez... que je n'ai pas dans ma collection de disques. Mais ça, c'est le premier avec Amanda Lear qui a servi de modèle. C'est ça. Et qu'est-ce que tu aimes de Roxy Music? Roxy Music, la voix de Brian Ferry. Ah ouais? La voix de Brian Ferry, la voix de... C'est aussi les débuts de Brian Eno, producteur de U2. Oui, légende maintenant. Qui jouait les claviers, les synthétiseurs, qui était un peu l'inventeur du non-musicien en tant que joueur d'instruments de musique. Mm-hmm. Alors, puis la pochette aussi, je l'avais demandé à Noël, puis j'étais descendu dans le milieu de la nuit déballer le disque pour être sûr qu'il y avait eu la bonne pochette. Alors, ça m'avait marqué. On va regarder les images, faites pas attention au son, c'est vraiment pourri, mais c'est très vieux par exemple, et ça frappe l'œil. Classique. Iggy Pop. Merci, voilà.
un vieil album, ça. Ça c'est pas son... celui-là, c'est lequel t'avais choisi, hein? Moi, c'était Raw Power. Raw Power. Et ça remonte à quand, ça, Raw Power? 75, peut-être. Ah oui? 1475. Avant ça? C'était oui. pas son... ça, OK. C'était, ça, c'est son comeback. OK. C'était un peu son, sa carrière solo. Oui, oui. Parce qu'il était dans les Stooges avant, j'ai ça, hein? Oui. Raw Power, je pense que c'était le dernier album des Stooges. Et ça, c'était son premier album. OK. Solo, il est récupéré par David Bowie, genre... propulsé, repropulsé en devant de la scène. Mais c'est un très bon... Moi, j'aime beaucoup cet album-là aussi. Quand oui, non, avec le classique Nightclubbing. Oui, oui. Avec Steve Jones qui jouait la guitare des Sex Pistols. Hein. Ouais. J'avais vu le spectacle au plateau avec David Bowie qui était là. C'était quelque chose. Il lit parole, alors on va laisser. Mais j'en avais apporté d'autres. Il y a d'autres. Il avait l'air en pleine forme, Iggy, là-dessus. Je ne sais pas si on peut voir. C'est top shape, notre ami Iggy. Il est supposé devenir, d'ailleurs, cet été, Iggy Pop en concert à Montréal. Un originaire vraiment du punk. Hein? C'est un spécial un peu. C'est lui qui a inventé. C'est pour ça que j'ai choisi. C'est lui que Kraftwerk a inventé le techno, puis Iggy Pop, je pense, a inventé le punk avec les New York Dolls et MC5. Oui, c'est ça. C'est pas né en Angleterre, le punk. Je pense pas. Non, 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 non. C'est ça. C'était bien expliqué, d'ailleurs, dans une série qui s'appelle Rock'n'Roll, qu'on télédiffuse à l'occasion ici à Musique Plus. Fort intéressante à ne pas rater si on la repasse. Et en terminant, un groupe qui était en spectacle hier à Montréal, Pavement, t'as pas choisi leur dernier album, par exemple. Ça, c'est Crooked Rain, Crooked oui, Rain. L'avant-dernier. Ça, c'était un de mes... Avant-avant-dernier. Oui, oui, ah, ça, oui, oui aussi. Ouais. Mais ouais. C'est... Ça m'a fait découvrir le groupe. Et je trouve pour du lo-fi, je trouve que c'est des tunes pop incroyables. Je pense que c'est des meilleures tunes, chansons. Moi, je suis axé vers les chansons. Ça, c'est dans les meilleures chansons que j'ai entendues de tout ce mouvement-là. Est-ce que tu t'es procuré leurs autres albums? Hein? Non. Non, parce que Splinter and Enchanted, le premier, ça, c'est supposé être le disque okay. À se procurer. Mais les autres sont très, très bons. Moi, j'ai adoré le dernier aussi. Et c'est lo-fi, mais pas... Est-ce que tu connais Guided by Voices? Oui. Ça, c'est lo-fi. Ça, c'est... Ouais. Ça, là, ça fait... Là, la toune commence. Tu sais, là, t'entends le bruit, la plug, tout, mais c'est vraiment pas intéressant. C'est la nonchalance aussi que j'aime. Oui. Est-ce que tu étais voir le show hier? Non. Non? Moi, on me dit de jamais aller voir du Pavement en spectacle. Jamais aller voir? Non? OK, c'est mieux donc d'écouter sur disque. Merci beaucoup, Yvan. Merci à toi. Nous faire un tour au cimetière des CD. Bonne chance avec ton nouvel album que je passe au cash la semaine prochaine, d'ailleurs, au cimetière des CD. Et beau spectacle. Bye.